Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, euh, nouveau petit format de vidéo. J'espère qu'il va vous plaire. Donc, ce sera point de vue et point de croix. Et le principe de cette vidéo sera euh, de vous donner mon point de vue sur des sujets euh, divers et variés, et euh, dont, vous, dont vous aurez choix d'ailleurs dans les, dans les commentaires de, de me proposer. Euh, Divers thèmes dont vous avez envie d'entendre parler pendant vos, vos petites sessions de broderie, tout simplement. Euh, pour commencer cette émission, j'ai envie de commencer par le tag euh, que Camille m'a proposé de la chaîne Broderie et Compagnie. Bien sûr, je vous mets la chaîne soit en barre d'infos, soit dans la fiche i, ou les deux, on verra. Donc ce petit tag qui est sur le printemps et qui a été créé par France, son bazar et ses loisirs, je crois que c'est dans ce sens-là. Et comme pour Camille, je vous mettrai bien sûr toutes les informations dans les barres d'infos ou les fiches. Tout simplement. Euh, je me suis dit qu'un tag, ça pouvait être pas mal. Ça peut être un peu court pour euh, premier, ce premier épisode pilote. Mais euh, tant pis, j'ai envie de commencer par ça. Au début, je voulais commencer par euh, une, petite, euh, une petite vidéo qui parlait de, euh, de mon expérience autour de la Bauderie, mais je pense que ce sera pour la semaine prochaine. Euh, ça presse pas, puis je me dis, euh, un, allez, un petit truc frais et rafraîchissant, hein, un petit tag, ça peut être pas mal. Voilà. Pour nous accompagner sur ce joli thème, j'ai... Rien de printanier en ce moment. <laughs> voilà, euh, vous, vous, si vous me suivez, vous connaissez un peu les, les toiles que j'ai en ce moment. Et du coup, nous sommes sur le sale Harry Potter. Donc sue euh, your own adventure. Désolé de l'accent. Brode ta propre aventure. Et euh, là, nous sommes sur euh, le parchemin central. Euh, hop, si on bouge un peu ça. Donc là on a nos, nos petites lettres juste en bas. Et là en haut, nous avons... Hop les guirlandes, je monte pas le milieu. <laughs> ça, ça sera pour la vidéo de, de lundi. Voilà. Donc, le parchemin central et je pense que nous pouvons commencer euh, la vidéo. Je ne sais pas si ça va être très long vu qu'il y a très peu de questions et je ne pense pas pouvoir euh, broder éternellement sur les questions. Ce sont des questions assez simples qui euh... Bon voilà, demande pas non plus de, de disserter 10 ans, mais euh, je pense que euh, ça va être pas mal. Alors, commençons bien. Je, attendez, je me suis perdue dans mon, dans mon patron. J'ai oublié de gommer. Voilà. <laughs> voilà, voilà, on gomme, on gomme, on gomme. Ah, j'ai pas, pas préparé, je suis vilaine. Voilà. Donc première question quelle est ta saison préférée? Eh bien pour moi ma saison préférée bah, c'est le printemps. Euh, je voulais dire au début l'été mais la chaleur est trop étouffante. Hein. C'est assez rédhibitoire et puis en pesant le pour et le contre je me dis qu'au final c'est le printemps. Ça arrive juste après une période très froide très sombre euh, grise terne. Et on arrive au printemps où c'est le renouveau, c'est la renaissance, ça va être euh, de nouveau euh, les fleurs dans le, dans le jardin, les, les, les feuilles qui reviennent. Voilà, le, on, on recolore un peu notre, notre environnement et, et ça, ça, ça fait plaisir. Au final, en, en été, la, la saison estivale, il y a, y a moins ce côté fleuri qui donne un peu de couleur au. Je trouve au... bah l'environnement tout simplement. Du coup, je pense vraiment que le printemps c'est euh, une saison qui, qui me plaît. C'est euh... voilà, une saison qui est assez euh, remplie de positivité, d'espoir. Euh... On... On revoit un petit peu les bébêtes, euh, sont un peu plus de sorties. Euh... Ouais, c'est j'aime tout simplement le début de Alors, je me dis peut-être qu'en plus là avec le printemps les journées qui sont un peu plus chaudes euh, peut-être que les, les poulettes elles vont se remettre à couver on va avoir peut-être des petits bébés à la maison euh, des petits bébés poules ça ça ferait plaisir euh, le printemps en plus on l'associe souvent à ça aux au bébés aux bébés d'animaux qui arrivent donc ouais ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup donc euh, saison préférée le printemps. Euh, y a-t-il des événements importants qui se déroulent pour toi au printemps chaque année ou juste cette année Alors non, mis à part mon anniversaire, mais c'est très égoïste. Bon, y a celui de mamie. Oui. Anniversaire de mamie aussi. Mais sinon, c'est vrai que je n'ai pas de grands événements qui, euh, qui rythment ma vie. Pour moi, c'est surtout de des petits, des événements qui marquent ma vie, comme ben, le retour au jardin. Nous, l'hiver, on a tendance à pas y aller. On a très peu de légumes d'hiver. Alors, déjà, parce qu'ils nous plaisent pas en, en goût, donc on va pas planter des légumes qu'on n'aime pas. Mais ouais, nous, on aime bien y retourner au printemps, c'est notre plaisir du printemps. Donc, euh, aller euh, commencer euh, à désherber, euh, remettre un petit coup de un petit coup de retourneur de terre, euh, toutes ces petites choses-là, y, y retourner petit à petit, commencer à planter nos premiers, euh, nos premiers légumes, <laughs> commencer à avoir les petites feuilles qui sortent, euh, recommencer à aller sur les marchés pour aller voir les plans qu'ils proposent. C'est quelque chose qu'on adore faire. Vraiment, c'est quelque chose de très serein, de très calme, de, de laborieux que bon quand même il faut aller euh, faut aller retourner la terre qui est chez nous est très très argileuse donc euh, est très euh, compliqué à, à traiter mais euh, franchement oh non je l'ai pas coincé voilà c'est des petits des tout petits trucs c'est vrai qu'on n'a pas euh, un big événement en mode oulala faut qu'on le fasse ah vraiment des, des petites choses toutes simples. Hop. Euh, qui font plaisir. Désolée, le, le, le fait d'avoir rangé mon film, ça m'a tout perturbé. Euh, ensuite, euh, y a-t-il des événements qui se déroulent dans ta région Eh bien, je me suis posé la question et j'ai fait des recherches et j'ai pas trouvé grand chose. De base étant très casanière, énormément casanière. C'est vrai que euh, je ne me suis jamais intéressée, même petite, ma mère c'était pas dans son dans ses habitudes d'aller dans des festivals ou, ou des, des événements comme ça extérieurs, euh, mis à part les événements proposés par notre propre village, c'est vrai que voilà, on n'allait pas forcément à des choses même aux alentours. Donc, je ne me suis jamais posé la question ça ne m'a jamais traversé l'esprit de, de commencer à faire ce genre d'événement qui peut au final être très intéressant parce que euh, cette année ou l'année dernière, on est allé euh, au festival du tatouage et c'est vrai que ça nous avait vraiment plu. Donc, euh, on va essayer de renouveler ça, mais c'est vrai qu'en hiver, on a moins envie de sortir. Je enfin, dirais même le printemps, mais... Du coup, je me suis un peu renseignée. C'est vrai que, mis à part voir des, des événements très locaux où on va avoir de la découverte de patrimoine, où on va avoir des vides greniers, on va avoir des marchés, des lotos. Voilà, c'est vraiment le type d'événement qu'il y a par chez nous. C'est très rural. Après, je parle au niveau départemental, parce qu'au niveau régional, euh, étant donné qu'on a Toulouse pas loin, c'est vrai qu'on peut avoir des choses bien plus sympas, hein, euh, il va y avoir des concerts assez sympas, il va y avoir des conventions assez sympas, des expositions très cool. Mais c'est vrai que nous, aller aussi loin, ça nous intéresse très peu. Si vraiment on veut se déplacer, on ira peut-être plus du côté d'Agen, qui est une autre région. Et là, j'y connais encore moins de choses. Vraiment. Donc voilà, je dirais que par chez nous, ça va être typique. Euh... Typique... Euh... Voilà, loto, de grenier on va avoir euh, aussi beaucoup de trails. On a beaucoup... Je sais pas si ça se dit comme ça, mais ouais, beaucoup de, de personnes qui vont, euh, qui vont aller marcher euh, sur, sur, sur beaucoup de kilomètres. <laughs> ça, c'est quelque chose qui se fait énormément. On va avoir euh, pas mal de groupes, euh, surtout dans mon village, qui commencent les, les débuts de, de, de cette activité. On a aussi... Euh, Ouais, c'est pas quelque chose de... On que c'est les habitudes du printemps, on revoit les... les pèlerins qui passent dans le village, mais voilà, c'est vraiment euh, la campagne, les petites choses. <laughs> c'est... Ouais, je... je... C'est vrai que je ne... que je ne sors pas pour ça. Ça ne m'intéresse pas... Il y a des sujets qui peuvent m'intéresser, mais c'est vrai que je ne prends pas la peine d'aller me renseigner sur euh, ce qui se passe voilà, si j'ai l'information euh, par. Euh, bah souvent, ça par les réseaux sociaux, bah, je vais y aller parce que bah, j'aurai eu l'info. Mais en général, je n'ai pas ces infos, donc je n'y vais pas. Cette année, et c'est peut-être en... ouais, peut encore au printemps, on a euh, ben, du côté de, de Aja, on a une exposition sur les dinosaures. Ça, on va peut-être la faire. Parce qu'avec euh, Arkham, on joue euh, souvent à des jeux où il y a des dinosaures. Et euh, au début, bah, j'aimais pas ça, je me disais, oh, c'est un truc de garçon. Puis au final, euh, ce jeu-là, c'est un peu sur l'apprivoisement des bêtes. Et, euh, et voilà, euh, il va y avoir toute une, une aventure de, de survie en apprivoisant les bêtes de, et d'utiliser leurs compétences pour survivre. Et bien on commence à, à connaître les dinosaures et à s'intéresser petit à petit au truc. Donc voilà, je commence à connaître quelques noms de dinosaures <laughs> en, en étant totalement novice en passant juste à travers ce jeu. Et euh, bon, on s'est dit, bah, pourquoi pas y aller quand même Ça fait quelques années euh, qu'on joue par période à ce jeu et franchement, ça pourrait être super sympa de voir ce que peut proposer euh, l'exposition le, euh, sur, sur les dinosaures qui n'est pas si loin que ça. Donc euh, voilà, peut-être qu'au printemps, je vais faire une exposition. <laughs> voilà. Mais euh, c'est pas ma région, du coup. Voilà. <laughs> euh, du coup... Euh, tu, 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 tu. Quelle est ta fleur préférée Alors, je me suis posé la question parce que c'est vrai que j'ai pas une fleur que je préfère. Quand je la vois, je me dis Oh mon dieu, elle est charmante. J'aimerais tellement l'avoir dans mon jardin. C'est vrai que jamais je me suis posé la question. Euh, c'est pas que je n'aime pas les fleurs, mais c'est vrai que euh, naturellement je ne vais pas me tourner vers ça pour euh, le mettre au jardin, les... Je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'attire sur Peut-être plus tard. Mais euh, en y réfléchissant, il y a une fleur qui me rappelle mon enfance. C'est... Euh, je crois qu'en fait, depuis le début, on ne voyait pas grand-chose. Oh, je suis désolée. Je pensais que c'est plus près que ça. I, désolée. Et euh, une fleur qui me rappelle énormément euh, mon enfance, c'est la bleuée. La bleuée, ça me rappelle chez ma grand-mère, quand j'étais petite, dans son, dans, son ancienne, dans son ancienne maison, la, la maison d'enfance de ma mère. Et euh, ma grand-mère, ça a été euh, ma nourrice pendant très longtemps. Hein. Forcément, enfin forcément peut-être pas. Hein. Mais euh, chez nous, bah voilà, ça a été ma nourrice pendant très longtemps. J'ai passé des mois entiers euh, chez elle. On y était tout le temps fourré avec mes cousins. Enfin, franchement, euh, moi, c'est c'est des événements qui qui me rappellent beaucoup de bons souvenirs. Ah, je sais pas si vous allez l'entendre, mais ouais, ça me rappelle énormément de bons souvenirs. Ça me rappelle euh, voilà le plaisir de revoir les cousins. C'est c'est que du positif, <laughs> franchement. Ça me rappelle ce, ce grand parterre qu'elle avait chez elle, euh, juste à côté de la balançoire. Et des fois, vous allez lui arracher 2-3 fleurs parce que j'aimais bien l'odeur qu'elles avaient. <laughs> c'est pas très mignon, mais voilà, c'est ce que j'aimais faire chez ma grand-mère, lui arracher ses parterres de fleurs. Du coup, je pense que ça s'appelle la bleue parce que je n'ai jamais eu la curiosité de lui demander. Ah, vous allez peut-être entendre le petit monstre derrière. Et. Euh... Donc je vous mettrai une photo si j'arrive à trouver, mais pour moi j'ai toujours appelé ça la bleuée et j'aime beaucoup euh, du coup cette fleur. Je me suis même dit bah tant qu'avoir les mains dans la terre, est-ce que tu ne planterais pas cette fleur qui te rappelle ton enfance Voilà, je me suis posé ça comme, comme réflexion. Donc euh, éventuellement, peut-être il se pourrait que peut-être. Après, comme il y a moyen qu'on déménage dans l'année, ça m'embêterait de planter des fleurs pour jamais les voir. Ii... Ouais, on verra. <laughs> euh, ensuite, que préfères-tu au printemps? Euh, bah, je pense que je l'ai déjà un peu dit, non? Je sais pas. <laughs> euh, bah, ce que je préfère au printemps, c'est euh, retourner au jardin et les fraises. Voilà, tous les ans, euh, retourner au jardin, faire nos sélections auprès, euh, auprès des. J'ai plus le nom. Oh mince Pas herboriste quand même Bref, aller faire nos petits choix de plants euh, au marché, le, le plaisir de, de se dire « Oh là là, c'est quoi cette plante Ça fait quoi ?» Parce qu'on a, on a des, des commerçants qui vendent des plants qui sont... Euh, euh, qui font pas partie de la grande distribution. C'est des, des, des spécimens très spécifiques... On va avoir de la poire de terre, on va avoir les, les concombres lemon, même si... Maintenant ça devient la mode, les concombres lémones. Euh, avant chez eux, j'en avais vraiment. Je n'avais pas vu, tout simplement. Et euh... ouais, il y, y a beaucoup de, de, de spécimens comme ça. On va avoir les tomates... Euh... Il va... on... Les greens et on va avoir les tomates noires. On va avoir les des tomates euh... enfin, il y a beaucoup de types de tomates, il y avait beaucoup de types de piments, euh, on a beaucoup de types de menthe, on avait la menthe chocolat je crois, bien sûr, je m'en souviens dans le pourquoi. Mais euh, franchement, ils ont un, un, un panel de choix qui est assez, assez grand. Euh, on a aussi euh, chez, eu chez eux les poireaux éternels. Ben, ça, On est très déçus parce que notre sol est vraiment pas adapté euh, à, à la pousse des, des, des légumes comme ça. Euh, tout ce qui est racinaire, ça prend absolument pas. La terre est vraiment trop dure et vraiment trop argileuse. Mais euh, franchement, le poireau éternel, c'est euh, quelque chose qu'on aurait aimé en prendre plus parce que là, il ne le propose plus. Mais euh, nous, on mange beaucoup de poireaux. Donc euh, franchement, euh, on, on en a mis un dans un pot. Et euh, ça fait des plus petits poireaux. Mais en fait, ils se dédoublent euh, tout le temps en permanence. Donc en fait, on va en prendre un, mais comment euh, dire on attend qu'en fait, le, le plan ait fait deux de arbres et on laisse le précédent, enfin le, le nouveau pour, euh, en mangeant le précédent. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais euh, ouais, ils sont plus petits. Mais euh, franchement, nous, ça nous suffit largement. Bien que un ou deux plans de plus, ça serait pas plus mal. Parce que c'est vraiment un légume que le, le poiron, on mange énormément. Voilà. <laughs> Donc ouais, le plaisir de retourner euh, au marché, d'être... De, de, d'être au jardin, d'embêter de, les poules, de... Voilà, toutes ces petites choses de... de petite campagnarde, hein, au final, parce que c'est un peu la vie qu'on qu aimerait avoir, de... de pouvoir manger le plus possible de nos légumes, parce que, euh, mine de rien, avec la... la crise actuelle, bah, c'est pas plus mal qu'on ait choisi ce, ce type de vie, ça va nous aider à, à manger peut-être un peu plus varié que euh, ce qu'on... Ce à quoi on aurait pu prétendre avec euh, nos revenus. Voilà. Euh, du coup, on va recommencer la ligne noire qui est du 859. J'aurais pu vous afficher la, la toile, en vrai, vu que celui-ci est gratuit. J'aurais peut-être pu vous afficher le patron. Vous voyez un peu le, le suivi. C'est pas très très grave. Ensuite. Euh... Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors, je n'aime vraiment pas. Euh, autant les petites bestioles quand elles reviennent, euh, franchement, il n'y a pas de souci, mais la guêpe, c'est vraiment une bestiole qui me fait peur. Donc, euh, compliqué. Surtout pour les repas euh, qu'on qu recommence à aller dehors. On bah, va toujours avoir une guêpe qui s'invite, et franchement, c'est. Bah, malheureusement, c'est. C'est les peurs c'est les peurs qu'on ne contrôle pas, c'est les peurs euh, que. Même en, 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 en s'y mettant le, le plus possible dans cette tête, ailleurs T'inquiète pas, c'est bon, si tu bouges pas, elle t'attaquera pas, tu ne supportes pas. Ça t'angoisse, tu, tu te sens obligé de partir parce que tu vas te faire agresser. Voilà, c'est la guêpe. <laughs> je, je vous présente la guêpe. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Mais vraiment, la guêpe. C'est une bestiole que je trouve ignoble pour ça. Vraiment. Donc, euh, ouais. je dirais la guêpe. Euh, C'est vraiment la chose que je n'aime pas. Après, comme ça s'étend sur le tout. On va dire le retour de ces de bonnes dames. Euh, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer mille ans euh, ce euh, trouille-là. Mais je dirais euh, le retour de, de, de ces petites bêtes. Après, ouais, ce que j'aime vraiment pas, je sais pas ce que j'aime pas au printemps. Franchement, je. Ouais, si elle est la terre, ça, ça m'embête, mais c'est pas que j'aime pas parce que je sais qu'au final, ça va être pour euh, quelque chose de bénéfique par derrière, que ça va être pour euh, que mes petits pois et mes patates s'épanouissent. Elles, elles euh, voilà. Après je peux vous dire les taupes, mais les taupes c'est toute l'année, puis elle me mange mes patates. Non franchement j'ai pas de... de trucs spécifiques au printemps que je n'aime pas. Vraiment. Euh... Bon allez, le, le... le fait qu'on sache pas trop comment s'habiller au début, qu'un coup il fait chaud, un coup il fait très froid, peut-être. Mais même ça, ça me dérange sans plus. Euh... Si on est un peu... Euh... Moi j'ai toujours une veste dans la voiture, au cas où, quelle que soit la saison, parce que... Euh... J'ai très vite froid euh, de manière random. Donc, euh, non, je n'ai pas de, de, de choses super négatives sur le printemps que je n'aime pas. Voilà. Et ben voilà, vous aurez eu la petite musique. Heureusement que j'étais en ne pas déranger. Euh, du coup, as-tu des changements d'habitude au printemps Bah, ça, du coup, ça revient à que, que préfères-tu au printemps Je suis désolée. Euh. Mais euh, après, mis à, euh, à part ça, c'est vrai qu'il euh, y aura plus tendance à aller profiter des rayons du soleil. On aura plus tendance à commencer à manger d'or, même si ça ne sera pas là de suite en, en mars-avril. Euh, donc ça va être plus... Euh... Mais, mais, ça commence vraiment à être très agréable. Où là, on va vraiment pouvoir profiter euh, euh, bah, du barbecue, hein, comme, comme tout le monde. Mais décidément... <laughs> Euh, ouais, du barbecue, tout ça. Euh, après, un grand changement de vie, c'est vrai qu'on n'a pas... Euh, on n'a pas vraiment de grands de grand changements d'habitude qui pourraient euh, être liés au printemps. Mis à part commencer à manger dehors. Mais bon, ça, ça peut être aussi euh, dû à l'été. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire On va tondre beaucoup plus <laughs> C'est vrai que le printemps, on va tendre beaucoup plus euh, qu'en été. Parce qu'en été, ça crame. On va dire ça alors. <laughs> Changement d'habitude. Je tends la pelouse. Bon, je pense que c'est vraiment la mise en place de la, de la serre. Hein. En vrai, on va commencer euh, à faire les petites pousses au jardin. On va commencer à. à... Moi, j'aime bien voir les graines qui commencent à pousser. Mais juste quand tu commences à faire 2-3 cm, j'aime trop. Quand elles deviennent plus grandes, tu ressens un peu moins, hein, mais quand c'est tout petit là, quand tu commences à voir les, les graines pousser euh, un petit peu, euh, qui sortent de la terre, c'est mon moment préféré. Voilà. Non, sinon j'ai pas de grands changements d'habitude. Euh, ensuite, que préfères-tu manger au printemps ou boire Les fraises. J'ai mangé les fraises. Et. Euh généralement tout ce qui peut sortir du jardin ça fait trop plaisir de de voir les les premiers Ben nous moi premier en premier c'est les phrases que je vais taper mais bon on va voir les les premiers les premiers légumes donner leur premier leur premier légumes fruits tout dépend de, de la variété mais ouais, souvent ça va être un plus grand plaisir de manger euh, ce qui sort du jardin ou sinon des, des marchés. J'appelle ça du harcèlement Je suis en ne pas déranger, les enfants. Euh, mais ouais, tout ce qui vient du marché. Les trucs ruraux, quoi, hein, le truc de la bonne petite euh, nana qui vit dans les, dans les prairies. Mais c'est vrai que moi, pour moi, c'est un kiff total d'avoir accès à ça. J'ai toujours habité en... J'ai toujours habité en pas en grande campagne, mais voilà où j'avais accès à, à la, au jardin et tout. Et c'est vrai qu'on voilà, n'avait on jamais bon maman n'avait pas la main verte, papa encore moins, on va dire. Et c'est vrai que d'avoir expérimenté euh, le jardin, bah, en fait c'est quelque chose de super satisfaisant. Du coup forcément manger des trucs euh, bon plus ou moins locaux parce que euh, Forcément, euh, tout est importé, maintenant c'est facile d'importer. Euh, bah, ça fait plaisir, hein, tu te dis, oh, c'est moi qui l'ai planté comme une grande et ça a poussé grâce à mes petites mains. Bon, la petite fierté un peu nulle, mais euh, cool. Moi <laughs> bon, j'aime bien. Bon, J'arrive pas à continuer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça n'est plus que 6. Mais je pense que c'est ce que je préfère manger et ce que je préfère boire. Euh, bah, je pense que ça va être tout ce qui est iced tea. Hein. Tout ce qui est sans bulle. Voilà, plus ou moins. S'il n'y a pas de bulle, je bois. Mais c'est vrai que je pas de boisson spécifique au. En fait, moi, je ne suis pas spécifique aux saisons. Hein. Je... je varie mes plaisirs, il n'y a pas de souci. On dirait que c'est courbé. Oulouloulou. On dirait. Non, je suis toujours sur la même ligne, mais comme j'ai tendu ma toile de manière bizarre, on dirait que je fais du. Du hart-piste, mais non. Tout va bien. Au pire, je me dis, c'est des parchemins. S'il n'y a rien de drôle, ou s'il y a un truc qui, qui crame un peu, c'est pas trop trop grave. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand il y a plus de 10, ça, j'ai du mal. Hein. C'est fou. C'est fou. Euh, du coup... Loisirs, fais-tu des projets en rapport avec le printemps? Euh, J'aimerais cette année, j'ai pas commencé encore parce que euh, pour mes broderies, je suis un peu le planning euh, des défis du Discord, les folies de Emma, j'ai eu du mal et euh, c'est vrai que du coup, c'est par tranche de deux mois et que je vais changer euh, de toile quand les défis changent en fait. donc Là, quand je vais changer de toile, ça sera ben, pour euh, ben là, le, le 30 avril. Peut-être un peu plus tôt, j'ai un peu envie aussi de changer euh, en, en ce moment. Donc, euh, peut-être que vous aurez un truc un peu plus printanier. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aucune réflexion, hein. je suis désolée. Mais quand c'est trop long, j'y arrive plus. Voilà, quand je parle en même temps, c'est encore pire. Euh, mais, non. mais là, oui, j'ai deux petits projets, donc je vais vous les présenter euh, bientôt. Je pense que j'ai très envie de faire pour le printemps. Euh, C'est des toiles que j'ai eu eues... Enfin, des toiles, non. C'est deux grilles que j'ai eues sur Etsy. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que euh, quand je les ai achetées, le magasin n'avait que deux ventes. Et avec moi, ça a fait quatre. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire. En plus, les, les toiles étaient vraiment pas chères. Je crois que j'ai eu les 8 patrons pour quelque chose comme 3 euros ou 4 euros. Donc, vraiment pas cher. Donc, ouais, ça fait plaisir. J'ai très envie de les faire. C'est des petits projets en plus, des trucs que je suis sûre de terminer au moins euh, bah, au printemps. Dans les deux mois des défis, j'espère. Mais ouais, j'ai je, je, très hâte de les commencer. Il faut encore que je choisisse le fil parce qu'il y en a un que, qui est monogramme. Mono, monochrome, monochrome, pardon. Et euh, j'ai pas encore choisi la couleur. Je suis en train d'hésiter sur est-ce que je fais les fils variations Parce que mine de rien, les variations, c'est très joli. Ça, ça, ça apporte quelque chose. Ou euh, j'ai vu que dans la mercerie où je passe ma vie, littéralement il euh, y avait aussi des fils satinés et là les fils satinés ça me titille aussi un peu étant donné que je n'ai jamais travaillé ça me fait un peu peur parce que je me dis ouais bah, il t'en faut quand même quatre échevettes si n'aimes pas euh, faut faut finir la toile avec les quatre échevettes ça risque de te, de te prendre la tête mais euh, ouais il y a, y a ces deux fils qui me titillent donc je sais pas encore puis j'ai pas envie d'acheter euh, les deux fois quatre échevettes ça enfin comment dire j'ai pas envie de prendre 8 échevettes en tout pour utiliser que 4 et les autres vont dormir euh, j'ai pas combien de temps en fait voilà après j'ai aussi le choix pour la toile il faut que je que je fasse un choix pour la toile que je vais utiliser parce que euh, forcément en fonction du de la taille des trous hein, il faut plus ou moins de fil voilà. <laughs> voilà, c'était ma vie nulle sur les projets en rapport avec le printemps. Mais euh, ouais, j'ai assez hâte de commencer. Mais euh, ça, on verra ça ben, la semaine prochaine. Hein, euh, malheureusement pour moi. <laughs> euh, voilà. Euh, si tu devais aller dans un autre pays au printemps, lequel serait-ce et pourquoi Et là, c'est là où j'arrive à être un peu. Euh, une random <laughs> je pense que c'est le cas de pas mal de personnes de ma génération j'irai euh, le Japon pour les cerisiers en fleurs ah mais euh... ouais ça va être quelque chose qui qui, qui pourrait me plaire surtout qu'en plus là j'ai une amie qui revient du Japon et qui a fait les cerisiers en fleurs donc forcément elle ramène ses souvenirs elle ramène ses photos et t'as là... ah ouais, c'est vrai que ça allait bien quand même le Japon euh, avec les cerisiers et tout du coup forcément voilà hein, euh, effet mimétisme tout ça tout ça on a envie de vivre la même expérience euh, voilà après d'autres cultures autour du printemps pour d'autres pays c'est vrai que j'ai pas j'ai très peu voyagé j'ai très peu passé la frontière euh, Mise à part pour les voyages scolaires et en Espagne pour aller euh, pour aller acheter 2-3 denrées qui sont moins chères là-bas, moi j'appelle pas ça voyager, moi j'appelle ça euh, faire, du, faire les magasins. Donc, ouais, j'ai pas vraiment de, de culture sur le pays, je m'y suis pas vraiment intéressée parce que je sais que j'aurais pas forcément l'occasion euh, dans ma vie de voyager, donc euh, je m'y intéresse pas euh, pour le moment parce que je sais que c'est pas dans les projets, que c'est pas possible. Donc je préfère ne pas m'y intéresser, ne pas me, me frustrer à me dire ⁇ Ah bah ben, j'irai jamais ⁇ Voilà, je, je, préfère ne, je préfère ne pas m'y intéresser. Et euh, le jour où je peux ben, euh, commencer à m'y intéresser tranquillement et, euh, et envisager des choses, je trouve ça plus sain euh, à faire comme ça plutôt que d'espérer des choses on n'aura euh, euh, pas à l'instant T, en fait, tout simplement. Pour moi, la vie, euh, la vie évolue et euh, il faut la suivre tranquillement. Oui, on peut la brusquer, mais euh, ça sert à rien de, de, de voir trop grand. Euh, mieux vaut voir petit, euh, petit objectif par petit objectif que euh, directement grand objectif. Ça, 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 ça peut juste démoraliser certains. Moi, je sais que c'est pas comme ça que je fonctionne. Et euh, le jour où je pourrais m'intéresser, peut-être que. Euh, voilà, je, je pourrais voir tout, tout ce qui est possible au printemps dans les différents pays. Mais là malheureusement, enfin, malheureusement, je connais que le Japon parce que ben, c'est quelque chose qu'on va beaucoup euh, représenter, surtout dans les cultures, euh, dans les cultures manga, tout ça, le, le, le Sakura, c'est quelque chose de très très connu et reconnu. Du coup, forcément, on y pense. Et, euh, et voilà, je pense que ce serait le pays que j'aimerais faire. Et je pense que c'est la fin. J'ai euh, le chien qui en a marre. <laughs> bon. Euh, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ces quelques croix avec moi. Tu vas me répondre en fait. C'est ça Que ces quelques croix en ma compagnie euh, vous auront fait plaisir. Vous auront permis d'avancer sur vos projets. Décidément, ce sera sur des pleurs de chien. Je suis désolée. C'était pas prévu au programme. Et euh, je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao. Salut à tous. Du coup, c'est la my du futur. Je suis désolée. Forcément, avec une interruption pareille, j'ai oublié certaines choses. Et du coup, euh, pour répondre à ce tag, j'aimerais bien euh, que Melissa Princroy Co. Euh, bah, y réponde, tout simplement. Donc, Melissa, si tu passes par là, bah, ça me ferait très plaisir de te voir répondre à ce tag. Et j'espère que t'as pas été euh, mentionnée. Me semble que non. J'espère, je suis désolée si c'est le cas. Et euh, j'aimerais aussi inviter une petite nouvelle euh, sur YouTube qui est euh, Didier Aventurière et Créative, euh, petite chaîne autour du voyage et des loisirs créatifs. Donc j'espère, Didier, pareil, si tu passes par là, que ça te fera plaisir d'y répondre et que tu n'as pas été taguée non plus. Donc euh, voilà, c'est bon, j'ai fini en beauté. Euh, j'espère que vous passerez un très bon fin de semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao, ciao.